salut à tous, c'est Jamie, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Siberia. Donc dans le dernier épisode, on avait ouvert les écluses aux mariniers pour qu'ils puissent traquer notre train. Et on avait... on était venu ici à l'amphithéâtre pour assister au cours du paléontologue. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va récupérer notre plus mammouth. Inutile d'insister, c'est verrouillé. D'accord. Tant pis, on va passer de l'autre côté. Donc on va aller récupérer la poupée mammouth dans le laboratoire du professeur. Et ensuite retourner au train et continuer notre voyage. Il serait temps de quitter cette gare. Ça fait déjà un petit moment qu'on y est. Donc on va récupérer les documents du cours du professeur, parce qu'il nous avait dit que si on voulait, on pouvait récupérer des fiches. Donc ça m'a l'air d'être son cours en entier. Hein. Ah non, même pas. La douce mélodie du kiosque. Bon, ils auraient pu mettre une musique un petit peu plus attrayante, parce que ça fait un peu genre t'as envie de te suicider, hein, mais. Et donc on va aller voir Oscar, ça fait un petit moment qu'on l'a laissé tout seul dans le train, en même temps il voulait pas sortir, hein, pour lui dire qu'on a remonté les ressorts du train et qu'on peut partir. D'abord on va aller reposer la poupée mammouth parce que il va nous prendre le chou sinon, parce qu'il faut que l'on pose tous les objets. Donc on va reposer la poupée mammouth. Tout va bien, Oscar? Oui, Kate Walker. J'attends de poursuivre notre voyage. Alors, ben c'est parti, on y va. Cette fois, Oscar, si vous me faites encore une remarque comme quoi il manque...
Tout est en ordre. Prenez place, Kate Walker. Nous partons. Formidable. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il est où, Oscar? Pourquoi on n'avance pas? En plus, c'est le symbole Vorarlberg, hein, le symbole des clés. Donc, où est-ce qu'il est? Ah, ok. Mais qu'est-ce que vous fabriquez là, Oscar? Kate Walker, il est impératif de se conformer aux usages des chemins de fer et aux règlements douaniers. Oscar, vous ne pensez pas que vous devriez en finir une fois pour toutes avec ces enfantillages? Pour franchir ce mur, il faut une autorisation de passage, Kate Walker. Oh. Est-ce que par hasard, vous seriez auprès de qui je peux obtenir un tel document? Il existe sûrement une autorité en charge du poste de garde habilitée à délivrer un tel visa. Bon, Bon, eh bien, tout à l'heure, Oscar. Oui, Kate Walker. Oui, elle dit la même chose que moi, hein, Kate. Elle est un peu excédée. On va aller voir. On peut pas rentrer dedans là, lui tordre le cou, Oscar. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Allez, donc on va rentrer dans le mur. Pas courir, non, non. Pour se faire délivrer un visa. Allô? Kate, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin réussi à remonter le train mécanique qui doit me mener à Antwerpberg. Ça n'a pas été simple. Il a fallu que je traite avec un drôle de couple de mariniers. Je crois que je me suis fait un peu avoir. Enfin, je suis maintenant bloquée par un immense mur, une vraie muraille de Chine. Tu devrais voir ça. C'est pas ça dont je te parle. Qu'est-ce qui se passe avec Dan? Comment ça? Je l'ai croisé à la réception de Maggie. Il m'a dit que vous étiez disputés. Oh, n'exagérons pas. Lors de notre dernier coup de fil, le ton est un peu monté, c'est tout. Pas la peine d'en faire un. Sans vouloir jouer les Miss Catastrophes, il n'avait pas l'air en forme. Il avait sa mine des très mauvais jours. Parce que Dan a une mine des mauvais jours? Oui, tu sais, quand sa mèche lui tombe sur le front avec son regard trouble et sa petite ride entre les sourcils. Je l'avais jamais remarqué. Oh, j'ai peut-être été un peu trop virulente, mais il veut tellement m'emprisonner dans une image idéale. Parfois, j'étouffe. Et puis, cette mission m'accapare beaucoup. Je demande juste un peu de compassion. Bien sûr. La mienne t'est acquise. Alors raconte, t'en es où? Comme je te le disais tout à l'heure, j'avance. Lentement, mais j'avance. Ce Hans Vorarlberg est un personnage de plus en plus fascinant. Eh bien, en tout cas, tu n'as pas l'air de t'ennuyer. C'est pas comme au boulot. La parfaite monotonie. Il me tarde que tu rentres. Ça ne devrait plus être très long. Je te laisse. À bientôt. Donne vite de tes nouvelles, Kate. Et puis sois plus gentille avec Dan la prochaine fois. Je vais essayer. Est-ce qu'on peut pas l'appeler Dan d'ailleurs?
continuer. Ah, il y a un type. Bonjour, monsieur. Capitaine. Capitaine Malatesta. Commandant en chef du poste frontière de Paraukstadt. Que puis-je pour vous, madame ? Alors, il me faudrait un petit visa. J'ai besoin d'une autorisation pour franchir le mur et continuer mon voyage à l'est. On m'a laissé entendre que vous êtes la personne habilitée à délivrer un visa. Effectivement. Cette charge dépend de ma fonction. Cependant, je n'accorde aucun visa en ce moment, car personne ne doit s'aventurer au-delà du mur. Et pourquoi, je vous prie ? C'est beaucoup trop dangereux, surtout, et vous en conviendrez, pour une dame de votre qualité voyageant sans escorte. Dangereux ? Qu'entendez-vous par là, capitaine ? L'ennemi, mademoiselle, l'ennemi. Voilà plusieurs années que je l'observe grâce à ma longue vue. Ce cavalier là-bas, à l'horizon, l'éclaireur d'une armée d'invasion, il nous guette, il nous espionne. Je dois me montrer extrêmement vigilant. Il sait que je sais, vous comprenez ? Et tant que je le surveillerai, il n'osera pas agir. Vous êtes sûr ? Mais je vous en prie, constatez par vous-même. Permettez-moi de me retirer, capitaine. Mes respects, madame. Alors, il dit qu'il y a un envahisseur derrière le mur et qu'il faut que l'on constate par nous-mêmes. Juste un arbre mort au milieu d'une plaine désolée. Ce pauvre capitaine y voit vraiment très mal. Ah oui, ça c'est pour sûr, il y voit vraiment mal, hein. Il voit rien que dalle le pauvre. D'accord. Monsieur. Bonjour, monsieur. Vous ne voyez rien, il faut vous acheter de nouvelles lunettes. Hein. Capitaine. Capitaine Malatesta. Commandant en chef du poste frontière de Paraukstadt. Que puis-je pour vous, madame ? J'ai besoin d'une autorisation pour franchir le mur et continuer mon voyage à l'est. On m'a laissé entendre que vous êtes la personne habilitée à délivrer un visa. Effectivement. Cette charge dépend de ma fonction. Cependant, je n'accorde aucun visa en ce moment. Car personne ne doit s'aventurer au-delà du mur. Et pourquoi, je vous prie ? C'est beaucoup trop dangereux. Surtout, et vous en conviendrez, pour une dame de votre qualité voyageant sans escorte. Capitaine, je vous assure que votre cavalier ennemi est en fait un simple arbre mort. Un arbre ? Voyons, c'est totalement ridicule. On voit que vous n'avez jamais vu un cosaque de votre vie. Depuis combien de temps ce cosaque espionne votre muraille ? Depuis longtemps, bien trop longtemps. Mais l'attaque peut être imminente, on ne sait pas. Et depuis tout ce temps, il est ainsi, dans cette même position. Les Cosaques sont des soldats, mademoiselle. Ils font preuve d'une grande résistance et d'une obstination à toute épreuve. Oh là là, il comprend rien, lui. Permettez-moi de me retirer, capitaine. Mes respects, madame. Appartiennent au capitaine, à en juger par l'épaisseur des verres, il possède une très mauvaise vue. Oui, ça c'est sûr qu'il possède une très très mauvaise vue. Donc il faut qu'on fasse quelque chose avec les verres. Est-ce qu'on peut pas lui proposer un petit coup ? De boire un petit coup ? Je n'ai plus besoin de faire ça. Poudre de Yangalakoga. À quoi ça sert, ça, déjà, le Yang à la cola, je sais le même colonel. Pas. Colonel. Capitaine, madame, capitaine. Pourtant, vous avez l'allure d'un grand officier. Oh, vous me flattez, madame. Hélas, j'ai bien peur que nous autres, soldats des frontières, soyons souvent oubliés de l'administration militaire. Comme c'est injuste.
et comme je compatis. Capitaine, oublions nos soucis et acceptez de prendre le verre de l'amitié avec moi. Cela aurait été avec grand plaisir, madame. Mais le règlement l'interdit formellement. Allons, un peu de vin, ça ne peut pas faire de mal. Et puis personne n'en saura rien. Du vin? Madame, vous me mettez dans une situation délicate. Ne vous défendez pas, capitaine. Juste un petit verre. Je vous assure, il est excellent. Juste un doigt, alors. Voici votre verre. À la vôtre, capitaine. À votre santé, madame. On va pas l'empoisonner, quand même. Ah, voilà longtemps que je n'avais pas bu de vin, et en aussi agréable compagnie. J'avoue qu'il est excellent. N'est-ce pas? Figurez-vous qu'il vient de Barockstadt. C'est du Sauvignon forestier d'Amerzone, miraculeusement conservé et cultivé dans le jardin de la gare. Voyez-vous cela? Ces messieurs de l'université se sont bien gardés de m'en parler. Vous savez, capitaine, il est vraiment impératif que je poursuive mon voyage à l'Est. Mais vous n'y pensez pas, puisque je vous affirme que c'est extrêmement dangereux. L'ennemi nous surveille. Peut-être que votre cavalier cosaque n'est pas ce que vous croyez. Peut-être qu'il ne s'agit que d'un arbre mort au relief tourmenté. Vous devriez vérifier encore une fois. On ne sait jamais. Je vous en prie, capitaine. Soit. Par égard dû à votre sexe, mademoiselle, je m'exécute. Mais tout ceci est ridicule. Donc elle a quand même balancé au capitaine Malatesta qu'il faisait du Sauvignon forestier du verre à Barockstadt. Elle devait le dire à personne, enfin bref. Incroyable. Comment est-ce possible? Par quel prodige? Comment ai-je pu me tromper si longtemps? L'ennemi n'était qu'un arbre. Je suis confus. Ce n'est pas si dramatique, capitaine. L'erreur est humaine. Un arbre? Ce n'est qu'un insignifiant arbre mort. Remettez-vous, capitaine. Je pense que maintenant, il n'y a plus aucun obstacle pour que vous m'accordiez un visa. Oui, bien sûr. Plus de danger. Toutes ces années, le cosaque est parti. Plus rien à observer. Capitaine, réjouissez-vous plutôt. Dorénavant, vous ne serez plus obligé de rester en permanence dans votre poste de garde. Les voyages vont pouvoir reprendre normalement. Vous allez pouvoir assumer vos vraies fonctions, accorder des autorisations de passage. Vous avez raison. Je vous signe immédiatement un visa pour franchir le mur. Excusez-moi encore. Tenez, madame. Il a l'air dégoûté, le mec, de ne plus avoir rien à faire dans sa vie. Il pourra lui boire des coups avec les réacteurs, comme ça. Alors, autorisation de franchissement de frontière. Ce document autorise son porteur et les gens qui l'accompagnent à franchir la porte du mur frontière. Parfait. Merci. Au revoir, capitaine. Et continuez d'ouvrir l'œil. Madame, pourrait-on garder cela entre nous, s'il vous plaît? Mon honneur, vous comprenez? Je vous le promets, capitaine. Elle dit « je vous le promets à tout le monde » et après elle balance. Hein. Kate, ça va pas. On va pouvoir enfin partir. Bon, bah écoutez, on a récupéré notre petit formulaire de douane. Et on va enfin pouvoir partir. Cette fois-ci, je pense que c'est bon. Oscar, il doit être là-dedans. Je vous en prie, Oscar, oubliez une bonne fois pour toutes vos satanées procédures. Votre requête est refusée, Kate Walker. Je peux pas lui donner le papier, là ?
Pour obtenir le visa, je suppose que vous ne pouvez pas m'aider. En effet, Kate Walker. Bon, eh bien, à tout à l'heure, Oscar. Oui, Kate Walker. Je crois que je l'ai, le visa de douane en plus. Ouais, il faut que je lui donne. Voici le visa. J'espère qu'il vous convient, mon cher Oscar. Il me convient. Voici donc votre billet. Alléluia, alléluia. Oh purée. Allez, au départ de Brockstadt, parfait, on a notre billet. Kate Walker. Nous pouvons donc y aller maintenant? Oui, nous sommes déjà très en retard, Kate Walker. Ah. À qui dis-tu? Il est gonflé, ce mec. Bon, allez, hop, c'est parti. On va monter dans le train. On va lui donner le billet, parce qu'il va falloir certainement lui donner le billet. Le billet de train. Tenez, Oscar. Merci, Kate Walker. Maintenant, je vous prie de bien vouloir rejoindre votre place, Kate Walker. Tout de suite, Oscar. Voilà, on a enfin quitté la gare de Brockstadt pour arriver dans un lieu d'ailleurs qui n'a pas l'air très... Enfin, ça a l'air lugubre, hein, ça a l'air vachement lugubre. Donc écoutez, on va se laisser là pour l'instant et on se retrouve pour le prochain épisode. Je vous dis à tous, bye bye.